let's go. Bonsoir, non, non, on est encore l'après-midi quand même. À 15h, c'est chaud. On va passer là-dessus. Un petit mix Final Fantasy. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le Seymour, ça va, c'est règle 6, pareil. Lol. Oui, sinon ça va. Alors par contre, juste le stream, j'ai un petit souci, je le vois pas. Alors comme ceci. Ah, normalement ça devrait être bon. Est-ce qu'on entend bien? On entend bien la musique. Ah, colis direct. J'ai oublié de changer d'ailleurs. On est plutôt sur du 0-0. Bien pour moi, ok. Alors, bon, Eka, Helper, Ennie. Ah, parfait. Alors oui, donc j'ai encore... Enfin, au final, j'ai regardé un petit peu les sorts qui me manquaient à monter au parchotage, et en fait, il y en a beaucoup. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que il y en a beaucoup à monter. Donc je monterai pas tout, mais... Il y a encore du boulot. Bon là malheureusement il y a un ennemi en face donc ça sert à rien de taper tout de suite. Non, par contre l'ennemi a très peu de résistance. On va peut-être regarder les coups plutôt. Ok. Tiens voilà juste pour le lol. Le peur, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont leur bouclier élémentaire. J'ai envie de faire si on a, ils sont, ouais, d'accord. Le choix entre une belle image et des commentaires décalés tout en même temps sur le stream. Tout à fait. Ouais, normalement la qualité de l'image est bonne sur les streams si ouais, c'est zéro image perdue. Alors Leka a fait un placement mitigé. Ah, est-ce que je vais avoir la PO d'ici? Non. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre mon sac, putain, chier. Pas comparable avec qui j'ai, ouais, c'est sûr.
D'ailleurs, je vais pas mettre en transparence, c'est vrai que c'est moche. Bon, il se fait déjà soigner. Ouais, mais c'est vrai que retirer la PO à l'ennemi, là, ce serait bien du coup qu'il se remette à reculer. Bon, il avance. Alors, est-ce que je fonce comme un tardos et rôder les cas? C'est bolisme. Je pense que ça se fait. Comme ça. Vu que c'est vrai qu'avec le l'abyssal, gagne 1 PM à chaque fois, c'est génial quand même. Ça me permet de bien rusher. Livroki is now auto-hosting. Ça va très bien. Je sais pas qui c'est, mais très bien. Ah, on peut m'attirer, pas cool. Je ne savais point. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore la chance. Ah oui, très bonne nouvelle en effet. Parce que je prends déjà chez moi. Dans les cas qui s'est pris 30% d'héros, on va pouvoir lui tartiner le fion. Il a un pourpre, ok, très bien. Bon, le pourpre, de toute façon, c'est assez négligeable. Un tour, je trouve que c'est pas assez. Ils auraient pu laisser 3 tours comme le tutu. Hein. Bon, c'est vrai que ce serait trop facile à booster, mais enfin. Deux fois 500, il a pas dû trop kiffer, je pense, les gars. Et comme mon Yop s'est pas fait taper ce tour-ci, je crois, bah, il devrait gagner un PA avec le, enfin, avec le tutu. Si je dis pas de bêtises, je vais avoir 15 PA. Ça se tente de sauter dessus. Ça se tente. Ouais, clairement. Ah, j'aurais presque pu tenter le kill en fait. Oh non, il manque un petit peu quand même la fin constante. Mais pas mal, pas mal. Je pense qu'il va pas être bien. Je devrais pouvoir finir entre les nids et les nus. Même avec que les nids, ça devrait. Ouais, bah non, si en fait si je finis pas avec les nids, c'est foiré. Avec sa chance, contre-coup, tout ça, tout ça. Faut absolument que je finisse. Mais il est trop loin. Il a 50% au lieu. C'est compliqué. Non, ça va jamais le faire. Quoique. Un CC, c'est bon. Bon, ben voilà. Affaire rondement menée.
Et avec les nuits à l'autre bout du monde, je suis tranquille. Avec encore ce clair électrice. Ré Olivier, spoil, gros PVM. Ouais, gros PVM, j'adore. J'adore One Turn des mecs en PVP. De toute façon, c'est la compo PVM, hein, genre Yopeni. YOLO, je te fonce dans le temps. Bon, après, donc mes résis sur le Yop, franchement, avec cette nouvelle panneau, j'aime bien quand même. C'est pas mal. Bon, l'ennemi, ouais, ça va. Il a plus de 15 partout. L'ennemi, ça tient la route. Bon, suivant. Oh, bon, on va y aller carrément à fond. Hein. Brokkle, Pooch, allez hop. Double pression, full PVM. J'avoue, c'est drôle. Et mon Enu n'est toujours pas inquiété. Est-ce que je claque une reconce? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je ne suis pas sûr. Moins 40, pourquoi il rajeunit pas? Pourquoi il rajeunit pas? Si il rajeunit. Ah oui, mais avec le putsch, c'est vrai. Ouais, si je vais quand même réponse. Juste pour assurer le coup. Hein. Comme ça, au moins, on est tranquille. Là, il n'y a plus aucune chance de perdre, normalement. Bah, déjà, sans le Reka, c'est sûr que. Pas de soucis à me faire. Attention, l'élu sort son gros rock Stéphanie. Allez hop, même l'élu est en mode PVM full rocks. Et Lenny qui a gardé sa clé réductrice quand même jusqu'au tour 4, hein. Il s'est pas débuffé une seule fois quand même. C'est étrange. Du coup il est en train de s'en... Ah oui mais non, c'est vrai qu'il y a de l'héros. Donc en fait c'est full vie. Mais bon, le PVM est de retour. 15 PA. Bonjour. Au revoir. Ah là, je l'aurais vraiment roulé dessus. Un truc de fou. Jnak. L'aventure au Jnak, ça avance tranquillement. Bah, après, c'est vrai que. Notamment Neka qui l'a lancé a repris les cours, donc elle joue un petit peu moins. On a beaucoup, bien évidemment, dans ce genre de truc qui arrête assez vite. Hein. Ça, c'était à prévoir. Mais non, ça continue. Bon, après, c'est vrai qu'on stream plus trop, mais. On stream plus trop l'aventure, mais heureusement, ça avance. Doucement. Mais là, j'ai besoin de fric sur Sylvos. Enfin, de parchemin surtout. Donc, je m'y mets. Allez, salut! 6 tours. Et hop, en gros, ça fait quasiment un parchemin entier là. En un combat.
c'est rapide. Disons qu'en fait l'aventure Ojinak, ça se passe surtout le soir, quoi. Du coup, vu qu'il y en a qui bossent, qui sont en cours, tout ça. C'est plus le soir, donc dans la journée, je m'occupe autrement. Alors, on a quoi? On a un upper encore, un sacrieur et un mecha flip. Ah, les sacris, j'aime pas ces traîtres. Petite coop là qui fait mal. Ah, il dit salut. La fameuse tasse. Ah oui, vous voulez la voir. Yeah! Alors, elle est complètement pétée d'ailleurs, totalement folée de ce côté-là. On voit pas, mais il y a une grosse fêlure. Ok, elle va pas tarder à mourir normalement. Hop, bon. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de foncer pour taper mon fracassant, mais c'est vrai qu'il n'y a plus besoin. Alors, tour d'hérésie, Upper Mage, il est quand même tanky. Le Sacri aussi, qui a beaucoup de vie forcément. D'ailleurs, on peut voir que comme j'ai cliqué avant qu'il lance son sort, il a plus de Vita que Vitamax. Ouais. Et les Caflip aussi, bon ben. Tanky, fait chier. Salut papy papy. Et arrêtez de tous dire bonsoir, bordel de merde. Bon, ma journée fait que commencer. J'ai à peine de me réveiller. Enfin, ça fait 3 heures, mais pareil. Bon, ils sortent toutes leurs invoques à la con. Je pourrais faire de même, mais comme j'ai vendu tous mes pare-chocs, bah je peux pas. Hein, lol. Fait chier, j'ai même pas de portée en plus. Quel tout. J'ai pas non plus de ligne de vie. On la joue comme ça, un petit bit puissance 1000. Hop. Remarque, ils ont pas de. Enfin, si, c'est vrai que Sacri ça peut soigner et K.O. aussi. Mais ils ont pas vraiment de gros soins quoi. J'ai rien vu. Tu as commencé il n'y a pas longtemps. Je sais pas si tu parles des lives ou du jeu, mais dans les deux cas, non. Parce que le jeu, je l'ai commencé environ il y a bah, le 15 février 2007. Donc j'ai fêté mes 10 ans, pas très longtemps. Mais sinon le live, non, j'ai commencé en octobre, mais je stream pas très souvent. Effectivement, faut du pare-chaud. Ouais, bah, j'avais tout vendu en fait à l'annonce qu'ils avaient fait, mais soi-disant c'était censé durer un mois, genre, et puis après ils mettaient tous les sorts niveau 6, mais finalement ils se sont ravisés, et au final ce sera que pour décembre prochain, donc je vais pas attendre un an à poil. Et le problème c'est que comme mes persos sont tous en deux ou trois éléments, c'est quand même compliqué quoi. Deux, trois éléments quand t'as pas de pare-chaud, c'est dur. Bon, je fais des petites pichenettes de fragile. Là, la coop, elle va sûrement faire mal. Très très mal.
T'as pas noté la victoire. Ah, ce live-là, non, ça fait 20 minutes, exactement. Et on est déjà une victoire d'ailleurs. Bah en fait, juste avant de lancer le live, j'ai fait un colis juste avant, mais je me suis pris une branlée monumentale. Mais heureusement, c'était pas en live. Mais le deuxième, non, c'est moi qui ai mis la branlée monumentale. Ça s'est très bien passé. Bon, là, du coup, il va falloir rusher parce que l'ennemi au fond, c'est pas cool. Alors, rushons, rushons, rushons. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais commencer? Le peur a déjà sorti son bouclier à la con. Mais bon, ici j'ai une toute petite. Finisseur de peur. Mine de rien, un coup de 150, je vais déjà retirer plus de 1000 points de vie. Hein. Bon, tant qu'ils sont tous autour, au moins je peux faire mes attaques de zone, donc c'est pas trop gênant. Mais bon. Avec les cas qui vont me passer dessus, je serai quasiment mort, quoi. Je serai mort, en fait. Y a des chances. Mais par contre, j'ai 15 PA. Ouais, dans tous les cas, ça va puer un peu la merde pour mon ennemi. J'ai pas vraiment de quoi le sauver. Je pourrais lui faire une vita, mais ça va rien faire du tout. Non, je pense qu'il y passe. Hein. 50 de retrait PM, 700. Ah non, il va y passer. Fais chier, putain. Fais chier. Quoi ça se fait? Push, vous pouvez y aller, c'est un hébergeur d'images. Ouais, 15, 11. Ouais, c'est le cheat des Dofus, ça, mais bon, ça suffit pas malheureusement. On est mis, s'est fait rouler dessus. J'ai hésité après, mais putain, ouais, je suis con, j'ai vu l'initiative en plus, j'aurais dû lui lâcher une preuve ou un sac. C'était évident. Mais non, je suis pas encore assez habitué à ce genre de conneries. Il y a longtemps que je fais pas des colis avec ma team entière, donc. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, il a pas des robots. Il s'est collé à mon ennemi. Il doit pas connaître mon ennemi. Ah, c'est dommage, c'est dommage, dommage, dommage. D'ailleurs, j'ai même plus de place pour foutre un dos coco ou une connerie comme ça, genre. Piqué. Si le DDG, je pourrais le dégager en vrai. Les DG, et puis mettre soit un émeraude, soit un dos coco, quoi. Je ne sais pas. Ouais, non, mais putain, arrête de te filer 50 milliards de boubou là, tu fais chier, mec. Pas chier, mec. Comment je peux te taper maintenant si tu te fous 1200 de boubou tous les toits? Y'a un souci là dans le. Dans l'histoire, c'est quoi l'histoire? Si je fais ça, je suis taqué dans tous les sens. Bon, tiens, mange une coco, c'est gratos. Juste pour le plaisir. Allez, bim, 500, un petit morphas, non. Je baisse un petit peu la canne.
Bon, bah, un partout, hein. Non, mais là, j'ai clairement mal joué. J'aurais foutu une preuve au début et c'était bon, mon ennemi survivait. Et vu ce que je leur ai déjà mis, il y avait peut-être moyen de négocier. Ouais, putain, y a encore un mec sur Azoth, serveur privé, qui fait des lives. Il a beau se faire report, genre Twitch, j'en ai rien à foutre, j'ai l'impression. On va leur dire GG quand même. Ah, j'ai pas eu le temps. Tant pis. Par réinscription directe. Bon, et ils ont toujours pas corrigé ce putain de bug là de victoire quotidienne. Parce que non, j'ai pas fait 22 colliers aujourd'hui quand même, faut déconner. Je fais une machine. Salut Sigmost. Putain, ton pseudo il est chiant à la fin. Lol. Bon, Eli Upper SRAM. Ah, il y a beaucoup d'upper mage hein, quand même, mine de rien. Denis aussi. Ça va. Que dire? Voilà. Ma vie, c'est la copine. Bon, j'ai pas regardé les résidus d'ailleurs. Bon, le peur prend partout, évidemment. Pays solitaire, ouais. Ouais, ça doit être un crew, mais je l'ai vu changer au dernier moment quand je suis rentré, donc ça va être un crew. Oh, ils sont tous tanky, j'aime pas ça. J'aime pas ça, on peut pas leur taper dessus. J'aime pas qu'on peut pas taper sur les gens. Ça c'est cadeau. Les anges chutent même pas mal des uppers sur le fofo en dessous des sacris et Mio, ça fait cas. Ouais, mais bon, au final, ils se plaignent des 17 classes quand on prend 18. Bah, Eni, maintenant qu'il y a eu les nerfs et tout ça, je trouve que bon, c'est une classe chiante parce qu'elle soigne, mais. Normal quoi. Ça va encore à peu près. Le moins 30% déjà il a bien climé. Ensuite les FK c'est chiant mais là à dire que c'est cheaté peut-être pas quand même. Bon, est-ce que je fais le YOLO strat? Allez. Le jeu m'en bat les couilles ultime.
J'ai pris un sale modimo là, j'ai pas moins 1 sur les nids et moins 2 sur les. Bon, les ossa, par contre, c'est vrai que. Avant mise à jour, il y avait quand même besoin d'un truc. Hein. Il faut pas déconner. Faut pas déconner. Puis les uppers, ça tape super fort et tout, mais en même temps, c'est une classe de damage healer. Donc, encore heureux. Aïe aïe aïe, bon c'est vrai qu'il m'a mis midlife tour 1, c'est pas super bien, mais bon voilà, hein. Pourquoi pas. J'avoue, j'ai pas trop kiffé. Oh! Oh! Un petit SRAM! Oh 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 oh! Un SRAM spotted! Bon, ça me sert globalement à rien parce que, bon, voilà, mais quand même. Oh putain, la saloperie d'ennemi, raclure de merde, fils de. Hein, voilà, fils de Stalak. Non! Obligé de reconster deux, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette douille? Pourquoi? Quel est le fuck? Je suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. De toute façon, il me choque peu importe où je vais, alors autant prendre du boubou. C'est vrai qu'un muldo résistance, genre OR sur les nids, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh non, mais putain, nique ta mère de SRAM 123 de tac là, hein. Ça va pas du tout ça. Ça ne va pas du tout. Ouais, j'en connais un qui va se faire corrip. Salement. Pour toi. Hop. Ensuite, l'Enirix, tour de terre. Moi aussi, je peux te mettre des persos à 1000 points de vie. Hein. Eh, hey. Hey, c'est qui fait le malin maintenant? Ah, toi aussi tu reconces, hein, sauf que toi t'as 2700 points de vie. Eh, hein. Hey. Oui, je parle tout seul, excusez-moi. Ma muldo, doré amande, déjà sur les nuits à la place du doré, que t'es toujours en PLS. Oui, c'est vrai, mais le skin c'est important. Je sais, je perds 32 fuites, mais c'est important le skin. Bon, par contre, moi je l'ai obligé à reconce T3. Sauf que lui, eh ben, il s'est fait éroder. Et ouais. Et ouais, ma poule. Tiens, toi, va faire un tour loin. Attends, d'abord, je vais Timo. Tu dois faire un tour par là-bas. Voir si tu suis un petit peu. Éventuellement. Bon, par contre, c'est vrai que le double va me faire chier. Tiens, je te fracasse aussi. Puis le double en fait même il va me servir parce que comme ça je détacle les nus et je donne du boubou à l'ennemi. Ça c'est cheaté. Ça c'est très cheaté. Toi aussi t'as 2700. Non, moi j'ai 2700 mais j'ai 3000 de vie max. C'est différent. Al plus M au save du skin. C'est vrai, c'est vrai. Mais hors combat il me faut le skin. Et changer hors combat, combat c'est trop chiant. Bref, voilà. Et là, franchement, je pense que je suis pas mal, hein, parce que le peur, il est dans le turcu, tout ça, tout ça.
Oh putain. Ah le putain de piège. Ah je l'ai vu venir à 100 km, fallait que je mette une carotte. Ah le con. Ah le con, le con, le con, le con de toi. Je suis stupide. Sauf que j'attaque, je peux mettre un petit sac. Sac à dos, sac à dos. Ah putain, j'ai pas eu le temps de faire un roulage, bon tant pis. Ah, je suis con, putain. C'est ça de pas regarder le combat. Ok. Ah oui, c'était pour me TP. Le sac n'est pas mort, tu es mauvais. 4 PA pour tuer le sac. Lol. Et du coup, il m'a rapproché de son ennemi, c'est sympa. Merci beaucoup. Tiens, barrez-vous tous. Cassez-vous! Bon, la coco, en vrai, c'était peut-être pas rentable de coup d'Eris, c'était peut-être mieux vu ses raisins. 24% neutre, ouais. C'est possible. Aïe. Pourquoi je dis aïe? J'ai pas mal, en fait. Bon, tour 5, je peux récupérer mes petits PA. J'ai pas vu ce qu'avait fait le SRAM, s'il avait mis un récu encore. Enfin, non, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, j'ai 5, évidemment. Évidemment, la vie, c'est la merde. Je m'en file du boubou, hein, tant qu'à faire. Est-ce qu'aussi, s'il me refait le même coup, le SRAM, je me ferai pas avoir. Je vais bien vérifier. S'il me remet un répu troll. Ah non, ils partent sur le yob du coup. Je suis pas sûr que ce soit très rentable. Un wagon badé dans les prés, toi. Je prends ça. Est-ce qu'il y a une case ici? Non. Donc le yop est bloqué, je vais être obligé de boum. Pas cool, pas cool. Ça va, j'ai repris un petit peu le combat en main. Là j'ai eu de la chance de trouver le SRAM en vrai. J'ai 12 PA, je vais récupérer 1 parce que je suis au cac du SRAM. Donc je vais être à 13, moins 5, il m'en restera 8. Il m'en restera 8 pour tuer l'ennemi, sachant que j'ai une destin. Ah, je peux gambader, merci Loper, tu es très stupide. Je vais lui dire quand même merci pour le détacle, c'est sympa. Parce que du coup je peux foncer directement sur les lignes, quoi, en fait. Bon, la destin pas très utile, mais au moins je suis sûr de finir. Voilà, bonne chose de faite. Et puis ça me permet de me soigner après sur les lignes. Et voilà, je suis refull life. Que la vie est belle.
Oui, un petit moins 2 PA en plus là sur le. Sur la peur. Ah là je suis bien, je suis bien. J'ai rendez-vous, je t'en donne courage. Ok, à plus. Le commenter tout seul, c'est pas grave. Ok, bon, le SRAM qui s'offre. Du coup, je continue sur les peurs. Hein. J'aime en bas les couilles. Ouais, ça me dit, c'est chiant un peu. On a peur en 9-4, il va pas faire des trucs de fou, j'imagine. Ah, c'est tartine quand même un peu. Là comme ça je vais soigner mon tendioc. Oh, le soin est vraiment terrible. Du coup est-ce que je me permets de foutre un coup d'acham ou je le respecte un petit peu? Non, en fracassant c'est tout aussi bien. Je tape moins mais je soigne et je retire éventuellement des PA. Si le cornage m'avait pas détacle, en fait j'étais taclé et pesanteur, donc j'aurais jamais pu tuer le Rémi quoi. Donc je suis bien content. Bon, je peux toujours trop PA en détacle, tant pis. Tant pis. Aïe. Bon, faut pas que je fasse trop le malin quand même, parce qu'il régène beaucoup cette up là. Ah, mais j'ai une coco. Je crois. Oui, oui. J'ai une coco. Oh, tiens, mange ma coco. Oh non, ça. C'est pas une vraie coco ça. Ah si, mais c'est qu'il est à 50% en fait. Forcément, elle est pas monstrueuse. Mais ça devrait suffire à faire l'état. Bon, je pense qu'on peut aisément. Ah bah tiens, on est mort. Mais je pense qu'on peut quand même aisément rajouter une victoire.
Ils étaient sympathiques. Voilà, une belle victoire. Ça, c'était un beau match. Un vrai beau match, comme on les aime. Allez, on se réinscrit. C'est parti. Bon, temps des résistances. Yo. Pas mal tanky. Limitrophe, ouais, ça va, sacré. Ok. De toute façon, je dois être le seul pélo à faire des colis avec 15% de rêve. Mais bon, j'aime bien. Qu'est-ce que fout cette pelle ici? J'aime pas trop beaucoup l'idée. Par contre, un limitrophe qui s'approche et un limitrophe qui se fait clair. Et ça, ça va le calmer. Et du coup, s'ils ont envie de rush, moi je vais. Hein. Moi je suis là. Vous voulez focus l'ennemi? Bah ok, je focus votre ennemi. Comme vous voulez. Coco, Dag, pression, je ne sais pas où. Puissance en tout cas. Ah, les deux coups de dague étaient bien rentables comme il faut.
Voilà, l'ému, je l'ai mis mal. Il va pas aimer. Il va sûrement essayer de me croquer l'ému, mais comme il a une clé réduque, c'est une belle branlée. Bon, il va sûrement se faire sacrifier si j'arrive pas à le finir. Mais il y a moyen. Ah, il m'a clé. Ah, le salaud. Ouh, au moins 3 PM. J'avoue, ça fait mal. J'avoue. Je vais pas pouvoir le finir. Je peux continuer à les harceler un petit peu. Ça sacrifie. Il va me finir ce coup. Ah, la loose. Chier. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'était mieux, je devrais pouvoir le tuer assez vite quand même. Le souci, c'est que le sacré me gêne. Ah putain, il a sorti sa couronne. Ah le salaud! Je peux pouvoir le debuff. J'ai bien fait de me prêter du coup. C'est une puce, ça. Ouais. Je connais pas bien encore les. Coucou, je suis ton seul viewer. Ouais, bah. Sado est parti et d'un coup, tout le monde est parti en même temps. C'est triste. Puis quand t'arrives en bas après, ça remonte plus trop. Aïe, Coco. Putain, je l'avais même pas vu venir, la Coco. Ça pique. Bon, bah, il va y être l'heure de recons, hein, malheureusement. Ah, il a encore. Non, il a encore la précise. Putain, fait chier, j'avais pas eu. Ah, le con, putain, j'ai énervé. C'est Colin nul à chier. Ah, j'ai fait de la grosse merde. Bon, on part sur un 2-2. Les deux colis que j'ai perdus, c'était vraiment. J'ai chié dans ma colle. C'est quand même dommage.
Si je vais là normalement. Ah oui, mais j'ai pas de PO, c'est vrai. Tour 4, c'est feu. Bon, j'aurais quand même eu deux persos mid-life. Putain, fait chier. C'est la tristitude. Bon voilà, suivant. On va pas rester sur une défaite. Alors mon ému, il est en panomulti, en base rigide, pilaster, à l'eau, sans passer, et une hache à l'œil, chapeau gang de fusteuse, le panomulti. Avec un muldo, bon, le muldo c'est pas encore le bon, mais pour l'instant j'en trouve pas décamé, donc je garde celui-là. Alors on a du Yop, Emu, Emi. Ah bah tiens, compo miroir. Avec moi qui est Emi. On va peut-être échanger de place, on met Emi devant. Même si c'est vrai qu'il jouerait cette arme. S'il peut mettre une clé réductrice quelque part, ça serait bien. Notamment sur l'Emu. Alors peut-être même l'éloigner très loin. Quitte à choper Emi. Je vais voir, si jamais à la fin du temps, 3, 2, 1, hop, ok, je vais là. J'ai bien géré mon coup. En termes de résil, mieux que je tape pro. Salut quand même. Alors l'ennemi, ouais, pas énormément de résistance. Ah, il part sur l'ennemi. Ok. Étrange. Ah, Kawot. Ah, ça par contre, c'est chiant. Très chiant. Tu es chiant, monsieur. Je ne t'aime pas. Putain, j'ai pas assez. Le tapis. Je l'embarque avec moi, puis je vais aller le cueillir.
Tu es à moi, petit Yop. Ah, il a réussi à me clé quand même. Tant pis. C'est pas grave. Si ça te dit cueille plus tard sur Joel, tu m'as MP. Ouais, pas de soucis, mais je pense pas parce que du coup là je suis parti dans un délire de me refaire pas mal de pare-chaud de sort. On va falloir que je cogne pas mal sur Sylvas. On verra ça plus tard. Je pense qu'il veut repartir sur mon ennemi. Du coup, soit je lui. Du coup, je pense que la preuve, c'est pas la peine de la mettre. Et je vais plutôt partir sur un bon gros harcèlement. Sur le Yop. Ouais, il vient sur les nus. C'est ce que je pensais. Parce que ce qu'il fait, c'est pas hyper rentable en fait. Hein. C'est étrange. Parce que oui, je te tape, monsieur. Hein. Moi, j'attends pas. J'ai pas le time. Hein. Il est isolé de son crew avec 1400 points de vie. Il y a moyen que ça tombe. Bon, il va se faire soigner là, mais oui. C'est combien la portée de bon? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, il va me manquer un. La tristesse. Ah, si j'avais su, j'aurais couru plein nu en fait. C'est pas grave, je continue de le harceler. 600 points de vie, il n'arrivera pas à courir plus mon ennemi. Avec l'ennemi, est-ce que je peux aller faire le kill? Ça me paraît quand même vachement loin. Hein. Ah, si, c'est jouable. Et il a pas mis de sac ni rien sur. Ah non, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire malheureusement. Ah si. Ah merci le coffre. Franchement, ça c'est sympa. Et en plus ça me donne un petit PA gratos. Du coup, où est-ce que ça va passer? Ah, il faut que je l'auto. Putain, ça passe pas. Ah, la loose, ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon, lui il va faire le kill du coup. Ouais, quoique. Non, il fera pas le kill. S'il ne kill pas, c'est moi qui le kill tout seul. C'est 25. Bad luck.
Mon menu a toujours ses clés. Donc, je pense pas qu'il puisse aller tuer les nus, et du coup je vais prendre réponse. Tout est bien qui finit bien. Oh le con. Oh j'ai vraiment fait ça. Oh le con. Oh je suis un putain d'handicapé. Ah ça passe. Oh je me déteste. Putain j'ai vraiment recon sous l'autre après. Ça me rend fou. Qui bug. Ah oui, c'est les Merixa qui bug. Ok. Si le bug est triste à dire, mais je vais en profiter. Toujours pas re-soigner, putain. Ça va devenir critique.
compliqué quand même. Pour ça, une chance. Est-ce que je tacle? Ouais, pour la fin. Ok, deux petits coups derrière mon trépied. C'est pas fou. Là, il reste 1000 points de vie tout pile. Ouais, c'est dommage qu'il soit full bug sur la fin, mais bon, de toute façon, j'étais quand même en 3v2, normalement c'était plié sans derrière. Mais bon. Oh putain, allez. Le hop s'est plié. Voilà, 3-2. Suivant. Peut-être que je mette mes coïsétons quelque part, genre ici. Ah oui, ils sont. Où sont-ils là? Ici. 2800. Ça va, ça monte. Oh, elle est dégueulasse cette map. Oh, j'ai vomi de ma bouche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Upper Mage, un Sacrieur, un Mécaflip. Je crois que je suis déjà tombé contre eux. Ouais. Ah oui, mais c'est la team qui m'a pris de l'ennemi. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir.
Là, ça va être serious business. Cette fois-ci, je vais me faire coop Amy, mais je vais pas me laisser faire. Je suis prêt à les accueillir. Tiens, il y a une roulette à vie, non? Non, roulette force. C'est à toi ce sort. Hein. Est-ce qu'il va quand même me coop? Ce coup-ci, tu ne me tomberas pas aussi facilement, coco. Je ne vais pas me laisser faire. Remarque, ça pique quand même un peu, pas beaucoup. Est-ce que je vais sur les cas? Alors, vous êtes 400 francs, oui, c'est vrai. Ouais, je fais pas assez de dégâts. C'est triste. Sans soin. Ouais. C'est pas assez grave. Ça pique. J'avoue que ça pique.
C'est mieux. Ah, du coup, il change de cible. Et t'as intérêt de faire des robots, Coco. Hein. Non? Ah bon? T'as retenu la leçon, toi. Tu vas mourir. Mon ennemi aussi en fait. C'est pas cool, pas trop fort. On se perd. Qu'est-ce que je peux faire avec on se perd? Je me suis encore fait niquer. Si j'arrive à courir le père, c'est peut-être de se faire un kill. Ah ouais, non, la pune est trop mieux. J'ai une coco. Ah oui. Je vais sauver l'honneur, j'ai fait un kill. Ouais, je peux m'éviter. Oui. Bon, on a 3 victoires, 3 défaites. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Ah, je ne suis pas mort. Ah, c'est donc comme ça que ça se passe. I'm not dead. Parce
puis le destin, ça sert à quelque chose là-dessus, on va pas le voler. Ah, chaleur est pour 77. Ah ouais. Ah ouais. S'il est un peu trop confiant, je peux faire le kill. Ah non, une chance. Il a compris la poloche. Oh, c'est trop cheaté ces soins de merde. Ouais, je pense que je ferai même pas le kill en plus. J'aurais dû rester à distance de la chaleur. Ah, il manquait pas grand chose hein, pour finir. En 1v1, bon, de toute façon, j'aurais sûrement perdu quand même, mais bon. Ça aurait été beau quoi. Ouais, du coup, je vais couper le stream. Tous.